Les longues jambes, c'est une bénédiction de la nature. Attends, non! Une bénédiction du montage vidéo? Je prends une photo de mes longues jambes magnifiques. Quelle super photo! Mes jambes ont l'air si longues! Parfait! Et voici le secret de ces longues jambes. C'est bon, merci copine! Tes jambes vont trop bien! Tiens, ta paye, comme promis! Je t'emprunterai tes jambes à nouveau la semaine prochaine! Waouh! Il fait chaud sur la piste de danse! Tout le monde est là? Et voici la fameuse routine de danse de Minus. Elle fait du breakdance avec ses petites jambes. Waouh, beau travail! T'es une Minus super cool! Continue! Waouh, je suis la star de la piste de danse! Gina, à ton tour! Allez, donne tout ce que t'as! Gina et ses longues jambes peuvent aussi faire du breakdance. Mais pas aussi bien! Hé, hey, ça va les gars? Oups, j'ai pas fait exprès! Du yoga dans le parc? Oups, j'ai oublié mon tapis! Gina et ses longues jambes arrivent à la rescousse. Tiens Molly, prends ma semelle! Elle est pile à ta taille! Cool! Ta semelle fait un excellent tapis de yoga! Maintenant, je peux m'étirer en paix! Namasté, longues jambes! Mon copain veut qu'on se retrouve dans le parc. Coucou chérie, je suis trop contente de te voir. Pourquoi t'as une pelle? Viens avec moi, ma grande perche, j'ai une surprise pour toi. Il agit un peu bizarrement, non? Pourquoi on va si loin? Y'a personne d'autre dans les parages? Et il a une pelle. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Nous y voilà. Attends une minute, ma chérie. Faut que je prépare quelque chose. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air maléfique. Il creuse ma tombe ou quoi? Viens par ici, chérie, n'aie pas peur. Mets-toi dans le trou. Enfin! Maintenant, on fait la même taille. Et je peux t'embrasser. C'est tout? C'est pour ça que tu creusais un trou? Ah, chérie, t'es tellement romantique. Je t'adore. Ma copine et moi, on est venus dans un salon pour faire une pédicure avec des poissons. Apparemment, c'est agréable et c'est super relaxant. Ça fait vraiment du bien à mes longues jambes. Oh, regarde, ces petits poissons sont trop choux. Allez-y, mangez les peaux mortes sur mes pieds, les poissons. Mais pour ma copine aux jambes courtes, ce son est très différent. Oh non, mais c'est des piranhas ou quoi? Ils veulent me croquer les jambes. Hors de question, bande de sales requins. Je vous donnerai pas mes pieds. J'ai terminé ma visite chez le médecin. Je peux enlever mes couvre-chaussures. Je vais prendre vos vieux couvre-chaussures. Cette petite femme de ménage utilise ses couvre-chaussures géants comme sac poubelle. Étire, réutilise, recycle. Salut Jenna, viens, on va se promener. Hé, hey, t'es encore en talons? On va pas aller très loin comme ça. T'arriveras pas à tenir longtemps à pied. Tiens, prends mes baskets. Elles sont plus confortables. Jenna adorait changer de chaussures. Mais il y a un problème. Ses pieds sont bien trop grands pour ses mini baskets. Oups, désolée, j'ai pas fait exprès. Si tu as de longues jambes, tu peux facilement atteindre l'interrupteur sans sortir du lit. Mais il y a un inconvénient. Le monstre sous ton lit peut facilement attraper ta longue jambe. Mais les petites jambes peuvent se mettre au lit sans se soucier de quoi que ce soit. Elles ne connaissent pas ce genre de problème. Le monstre sous le lit n'arrivera pas à atteindre les petites chevilles. Ciao, loser!
C'est tellement agréable de marcher pieds nus sur la plage. Et de laisser ses empreintes sur le sable. Mais aux infos, j'entends un truc de surprenant. Aux dernières nouvelles, ce soir, d'énormes traces de pas de Yeti ont été trouvées sur la plage. On retrouve notre journaliste en direct sur la scène. C'est incroyable! Les biologistes et les archéologues sont sous le choc. On a trouvé une énorme empreinte dans le sable, regardez! Ça doit sûrement dire que notre région est habitée par le Bigfoot. Les scientifiques ne savent pas comment un Yeti aurait pu arriver jusqu'ici. Mais c'est une découverte révolutionnaire! Quoi? Mais c'est mon empreinte? Elle est pas si grosse! C'est des fake news! On va s'étirer. Équilibre, harmonie et flexibilité. Maintenant, lève les jambes, on se met en chandelle. Comment ça va? Super! Je crois que je suis sur le point de toucher Jupiter dans le ciel. Wouah, ces jambes sont trop longues! Les boîtes de nuit, c'est rempli de gens grands. Wouah, c'est des géants, eux! N'importe qui ici avec des petites jambes se fait direct remarquer. Hello, les titans! Oh, regarde ces petits bébés! On dirait des tout petits chatons! D'adorables mini-hamsters! Des hobbits! Des minus rigolotes! Waouh, c'est pas le genre de compliment qu'on voulait entendre! Les filles avec des jambes longues et courtes ont besoin d'équipements différents à la salle de sport. Hé, je peux t'emprunter un élastique? Tiens, j'en ai un de plus! Mais pour une athlète de grande taille, cette bande élastique ressemble plutôt à un bracelet. Vraiment? C'est trop minuscule! J'imagine que je vais entraîner mes doigts. Un vestiaire de plage, ça peut être un vrai défi. Peu importe la longueur de tes jambes. Comment je suis censée me changer ici? Où est l'intimité? On voit tout! Et les filles aux longues jambes ont d'autres soucis. Oh non! Je peux certainement pas changer mon haut de bikini ici. Je vais devoir m'accroupir. Toutes les filles ont des priorités différentes à la plage. Wouah, mate ce mec sexy! On dirait un vrai dieu grec. Wouah! Il a enlevé son t-shirt? Sympa! Je suis contente d'avoir apporté mes jumelles, c'est génial! Hé, je peux les utiliser? Wouah, jolies jambes! Regarde mes jambes! Elles font 1 km de long? Je veux pas te vexer, mais les jumelles sont à l'envers. Laisse-moi, c'est mieux comme ça. J'ai toujours voulu voir à quoi je ressemblerais avec de longues jambes. Je peux emprunter ta voiture? S'il te plaît? Merci, t'es la meilleure copine du monde! Et aussi, la pote la plus petite. Sérieusement, là? T'appelles ça une voiture? La citrouille de Cendrillon était plus grosse que ça. Bon, ok, tant que je peux encore tenir dedans. Mes genoux veulent pas rentrer! Oh, être dans cette voiture me rend carrément claustro! Cette fille sexy là-bas m'a fait les yeux doux toute la soirée. Quel adorable petit bout de femme! Elle vient de se lever? Et elle est pas petite du tout! C'est une géante! À l'aide! Les gars sont minuscules de nos jours! Une grande différence de taille n'arrêtera pas le véritable amour. Il y a toujours une solution! Si t'as rencontré ton âme sœur, attrape-la et embrasse-la. Tu as aimé nos problèmes avec les jambes longues et les jambes courtes? Alors dis-nous dans tes commentaires par quel problème tu es plutôt concerné. T'as des grandes jambes longues ou des petites? Et toi, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et clique sur la cloche. Ne manque pas de nouvelles vidéos hilarantes sur Woohoo!